Allô, bonjour, coucou à tout le monde. Bon week-end à vous. Ok, je fais cette vidéo-là pour vous saluer et pour vous parler du concert que je suis en train de préparer. Le 12 août à 19h au Palais de la Culture, le concert de la Renaissance. J'ai choisi la Renaissance, c'est symbolique. C'est très symbolique. Le 12 aussi, c'est symbolique. Vous allez me suivre dans mes différentes télés et vous allez avoir la définition, l'explication de tout ça. Mais pour ce week-end, ma vidéo aussi, pour vous donner une mise en garde. Il y a un pasteur qui a eu des problèmes sur la toile, un pasteur très lourd, un pasteur qui est peut-être égaré dans ses propos, dans ses façons de faire, c'est sa vie à lui. Mais mon enfant qui est mort à Williamsville, là, à chaque fois qu'on doit parler de ce pasteur-là, c'est oncle de X, de DJ Arafat. C'est parce qu'on ne peut pas réveiller un mort pour lui demander, est-ce que tu connais telle personne, telle personne? J'ai eu trois enfants. Mes trois enfants-là ne sont pas habitués à cette personne. N'ont jamais eu d'échange. De sa part, quand vous voulez faire la publicité de quelqu'un, quand c'est mauvais là, c'est l'oncle de DJ Arafat. Quand c'est mauvais là, on traite mon fils de ceci, de cela. Il est mort. Il n'a pas demandé de mourir. Il est mort. Donc un peu de respect pour sa mémoire. Il n'est pas votre clown, mais votre pantin. C'est un devancier. Parlons de la culture, tout le monde se débat là. Je ne parle pas de moi, ma génération. Hein. La génération des coupeurs de décalés là. Il a été le premier à bourrer le spectacle avec quel âge. Et ce n'est pas lui qui a organisé le spectacle. C'est des étrangers qui ont organisé le spectacle. Moi aujourd'hui, je fais mes 30 ans, le 12. Et ça, je ne le fais pas. Aucun Ivoirien. Hein, nous, on ne s'aime pas. Hein? Toujours la médiocrité. Quand tu vois les. Quand tu vois, et puis surtout, moi, je demande aux femmes gourous de faire des vidéos pour dire, ah, on soutient notre soeur. Ce n'est pas un buzz. De toute façon, vous allez voir la publicité bientôt. Les femmes bêtées, on soutient notre soeur. Les femmes guérées, les femmes Yakoba, les femmes Djula. Il ne suffit pas de dire, oui, on prend photo, on aime Tina. Si vous m'aimez là, venez le 12 août là. À la salle Kodjo est bouclée. Qui est la salle où on fait le parlement de rire et tout. Une petite salle, une salle, une grande salle, une salle prestigieuse. Et après, on va essayer de monter. On commence en bas, plein de choses. TG Production. TG, Tina Glamour. Donc, allez-y comprendre. Cette vidéo est pour vous dire que quand quelqu'un décède, on respecte l'image. Vous avez vu une fois que Michael Jackson est décédé, et puis on vient, oui, l'oncle de Michael Jackson, la nièce de Michael Jackson, ça ne se fait pas. Bande d'ignares que vous soyez, laissez mon fils. Il va reposer en paix. Il n'a pas demandé de mourir. Parce que moi, vous me blessez quand vous faites ça. Vous êtes immortel? Vous êtes immortel? Et je vois un journal de la place, là, je sais pas quoi, opéra, quelque chose là, longue de... Vous pensez que moi, mon fils, c'est votre marionnette? Je vous ai déjà prévenu, non? Je vous ai déjà prévenu, non? Vos bêtises, là. Ok. Moi, je suis affairé. Hein. Je vois tout sur la toile. Je vois tout. Tout. Mais je ne parle plus parce que là, j'ai fait une sortie pour parler de mon concept. Il dit, il faut laisser l'âme d'Arafat reposer en paix. Merde à la fin. Merde à la fin. Il était vivant ici. Il avait besoin de publicité pour faire son moto tout. Vous l'avez aidé. Et ce moment, il est mort. Vous allez prendre son nom. Un, deux, trois, André Arachide dans vos bouches là. N'importe quoi. Parlez des bienfaits d'Arafat. Quand c'est négatif, là, on parle d'Arafat. Sa vie sexuelle, c'est pour lui. Hein? Un artiste, il a une vie privée. Sa vie sexuelle, c'est pour lui, ça ne regarde que lui. Là, j'ai vu une vidéo ce matin, là, où quelqu'un est en train de raconter sa vie, il me dit tout. Quand tu es magnéto, le meilleur ami de quelqu'un, c'est son coussin. Voilà, moi, mon meilleur ami, là, c'est mon coussin. Là, c'est lui qui a tous mes secrets. C'est lui qui sait combien de larmes que je coule la nuit ou dans la journée. Non, arrêtez vos bêtises, là.